Marie-Sophie Lacaro était une invitée surprise, sur le plateau des 12 coups de midi, ce dimanche 11 juin. Dans le cadre d'une opération de lutte contre le cancer, la chaîne télévisée TF1 s'est mobilisée pendant quelques jours. Si la journaliste de TF1 pensait participer à une opération caritative, elle n'avait certainement pas imaginé qu'elle allait se lancer dans un rock endiablé avec le présentateur Jean-Luc Reichmann. Après avoir posé au candidat la question suivante, quel tube appartient au répertoire du trio Fredericks Goldman Jones? Jean-Luc Reichmann s'est tourné vers Marie-Sophie Lacaro et lui a demandé, t'as jamais dansé encore sur TF1? Il a ensuite précisé qu'ils se suivaient respectivement sur les réseaux, puis a commencé à esquisser des pas de rock sur la chanson, 1, 2, 3, interprétée par le trio Fredericks Goldman Jones, entraînant la journaliste à l'accompagner. Un moment convivial immortalisé par les caméras de TF1. Une prestation commentée bien qu'elle ait semblé peu enjouée à l'idée de danser sur le plateau au départ, Marie-Sophie Lacaro s'est prêtée au jeu et a dansé un rock entraînant avec l'animateur. Ce dernier a partagé l'extrait de la séquence télévisée sur Instagram, ce dimanche 11 juin. Lorsque les animateurs de TF1 se lâchent pour la recherche contre le cancer, a-t-il ajouté en légende du post. Et apparemment, cette danse enflammée a plu à ses abonnés. Bravo Jean-Luc. Vous êtes formidable, ainsi que Marie-Sophie. Toujours prêt à faire danser les femmes, bravo à tous les deux. On vous adore et surtout Marie-Sophie, tu es ma fan du jour télévisé de 13h, je te regarde tous les midis, toujours prêt à danser Jean-Luc, il est merveilleux. Et Marie-Sophie Lacaro est sublime, a-t-on pu lire en commentaire sur le réseau social. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran les 12 coups de midi TF1.